scène, ouais. Je sais pas, c'est à vous de dire. Thank you.
Joyeux Noël à tous les peuples du monde.
Bonsoir. Le conte de Noël va bientôt commencer. Si des enfants veulent venir s'installer devant pour voir d'un petit peu plus près, vous pouvez venir vous asseoir sur le tapis. N'hésitez pas à venir vous asseoir devant, au moins pendant la veillée, avant la messe. Regarde, Moshe, c'est étonnant comme le ciel est clair et comme la lune si petite et brillante. On dirait que cela garde éveillé nos troupeaux, comme s'ils attendaient quelque chose. Je suis un peu inquiet pour le mouton tacheté qui a pris une pierre sur la patte et qui boite. Je lui ai fait un emplâtre avec des feuilles, mais guérira-t-il ? Vous avez entendu ? Il y a des chiens pas très loin d'ici. Il ne faut pas les laisser s'approcher. Ils pourraient faire paniquer le troupeau et le disperser. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David... La ville de David ? C'est Bethléem, à quelques kilomètres d'ici. Dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le Messie ? Le Messie serait né ? Le descendant de David, qui doit régner pour toujours, est arrivé. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre en sauvant nos âmes.
ne voit plus les anges. Ils sont partis. Pourquoi on les a vus? Tu n'as pas entendu? Le Messie est né. Il est né à Bethléem, la ville du roi David. Pourquoi c'est à nous que les anges ont dit cela? Pourquoi ne sont-ils pas allés à Jérusalem l'annoncer? Il est né dans une grotte où on cache les animaux. Ce n'est pas une adresse facile à trouver pour les gens de la ville. Il faut qu'on le trouve, parce que c'était trop beau ce que l'on a vu. Il faut qu'on le dise à tout le monde. Attends un peu, et les troupeaux? Les chiens vont les réveiller, et ils viennent avec nous. Après tout, le Messie est peut-être né dans une grotte où on est déjà allé se réfugier pendant un orage. Samuel, Samuel, ouvre-nous, le Messie est né. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est moi, Rubens. On doit te parler, ouvre-nous. Que se passe-t-il? Pourquoi me réveillez-vous au milieu de la nuit? On a vu les anges parce que le Messie est né. Le Messie? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai ce qu'il dit. Je vais t'expliquer. Nous étions ensemble, en train de garder nos troupeaux, quand un ange est apparu, d'une lumière extraordinaire. Il nous a annoncé que le Messie, le fils de David, venait de naître, et qu'on le reconnaîtrait parce qu'il était emmailloté et couché dans une mangeoire. Un nouveau-né couché dans une mangeoire? Vous êtes certain d'avoir entendu cela? Oui! Et ensuite, on a vu dans le ciel plein d'anges, des chants, de la musique. C'était beau. Et puis ils sont partis. Et que voulez-vous? On vient te voir parce qu'on a besoin d'un conseil. Où faut-il aller? On est avec nos troupeaux. On ne peut pas faire le tour de la planète. Les moutons vont se fatiguer. Quel est ton avis? Il y a beaucoup de monde en ce moment à Bethléem à cause du recensement et les Romains ne nous facilitent pas la tâche. Les démarches administratives sont lentes. Il est possible qu'il n'y avait plus de place dans la salle commune qui loge les visiteurs. Peut-être qu'une famille a dû se réfugier là où Simon emmenait ses vaches quand il voulait les cacher des pillards. Je vais vous conduire. Je viens avec vous. On a vu les anges parce que le Messie est né. Le Messie?
Est-ce qu'il y a une armée avec lui? Est-ce qu'il va nous délivrer de l'empereur romain? Que fais-tu là, Simon? Que caches-tu dans ta manche? J'ai fait le serment de chasser les Romains du pays. Range ce couteau. C'est un enfant que nous allons découvrir. Tu viens avec nous? Si le Messie est né, ce n'est pas cette nuit qu'il faut verser le sang. Le Messie, c'est le prince de la paix. Shalom. Que faites-vous si nombreux avec vos troupeaux? Vous aussi, vous allez au marché de Bethléem vendre vos troupeaux? On cherche la mangeoire. On a vu les anges parce que le Messie est né. Qu'est-ce que tu racontes? Il semble que le Messie soit né et on va à sa recherche. Il est à l'extérieur de Bethléem. Le Messie est à l'extérieur de Bethléem? Mais alors, les gens ne viendront pas au marché. Ils vont aller voir le Messie. Il faut qu'on vienne avec vous pour vendre nos marchandises. Le Messie doit être immensément riche. Peut-être qu'il va tout nous acheter en une seule fois. On va peut-être devenir ses fournisseurs exclusifs. On va être riche. Nathanaël, que fais-tu là? Pourquoi es-tu couché sur le sol et pas dans ton lit? Chaque soir, j'observe les étoiles, et une étoile nouvelle s'est levée. On dirait qu'elle se dirige vers Jérusalem, mais elle est encore très loin. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Nous, on cherche la mangeoire. On a vu les anges parce que le Messie est né. Vous dites que le Messie est né? Ce serait donc son étoile qui se serait mise à briller? Mais pourquoi est-elle si loin encore? On dirait qu'elle guide quelqu'un vers nous. Peut-être des rois ou des mages, car le Messie sera la lumière des nations. Vous savez où il est? Peut-être. Je l'ai conduit vers l'endroit que des anges leur ont indiqué. Le Messie doit certainement tout savoir sur les astres du ciel et sur les lois de la nature. Est-ce qu'il est entouré de savants? Je viens avec vous car je veux lui proposer mes services et être maître en Israël. Avec lui, je vais devenir le plus grand savant de l'univers.
Comme il est beau! Madame, comment s'appelle cet enfant? Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Pourquoi demandes-tu cela? C'est le 8e jour qu'on donne un nom à l'enfant, et celui-ci vient de naître. On a vu un ange qui nous a dit que le Messie, le Sauveur, venait de naître dans une mangeoire. Que dis-tu? Des anges? Madame, ces bergers sont venus me réveiller parce qu'un ange leur a annoncé que le Messie était né et que vous l'aviez couché dans une mangeoire. C'est moi qui les ai conduits ici. Je voulais moi aussi voir le Messie. Pas seulement un ange, mais une multitude d'anges est apparue dans le ciel. Nous avons entendu un chant extraordinaire, d'une puissance inouïe. C'était beau, cela communiquait tant de joie et de paix. Madame, pourquoi est-il dans une mangeoire? Pour que vous le preniez dans les bras. Toi, Simon, approche-toi, prends-le dans tes bras. Madame, il a une arme sous sa manche. Il a vu dans mon cœur la haine et la chasser. Il m'a rempli de bonheur. C'est cela, être sauvé? Enfant Jésus, tu m'as délivré. Voici mon poignard. Vous, les marchands, approchez-vous, prenez-le dans vos bras. Nous n'avons pas d'enfants, parce que nous voulions gagner beaucoup d'argent, être riches. Mais je sens tellement d'amour entre mon cœur que je veux donner la vie pour partager cet amour. Il est si fragile, et pourtant il me remplit de force. Je crois que je n'ai plus peur d'aimer.
ceux qui sont debout au fond, vous pouvez, il y a quelques places sur les côtés, encore vous pouvez avancer, n'hésitez pas à venir voir s'il y a des places devant. Et puis les enfants qui sont au fond, venez vous asseoir sur le tapis, vous verrez mieux, et puis vous serez assis comme ça dans la, pendant la célébration. Il y a quelques places disséminées dans l'assemblée, n'hésitez pas à venir voir si vous pouvez vous asseoir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers enfants, chers frères et sœurs dans le Christ, vous qui êtes venus ce soir, seuls ou en famille, pour cette messe de Noël, chers paroissiens, chers amis, vous qui êtes peut-être de passage en vacances, vous qui venez peut-être pour la première fois dans notre Église, soyez tous et toutes bienvenus. Nous célébrons la naissance de Jésus, celui qui vient nous rencontrer dans notre histoire, dans tout ce que nous avons comme richesse, mais aussi dans tout ce que nous avons comme pauvreté. La naissance de Jésus est un appel pour chacun de nous. C'est un appel pour toi, qui pense que l'espérance n'est pas faite pour toi. Jésus vient te dire par sa naissance que ta faiblesse peut être le lieu de la manifestation de la grâce
et de la toute-puissance de Dieu. Ce Dieu ne chevauche pas dans la grandeur, mais descend dans la petitesse. La petitesse est la voie qu'il a choisie pour nous rejoindre, pour toucher notre cœur, pour nous sauver et nous ramener à ceux qui comptent. En toute confiance, frères et sœurs, accueillons la miséricorde du Seigneur, cette miséricorde qui nous est donnée, afin que nous puissions nous relever. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Tous les anges de Dieu, nous chantons sa gloire. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, à Tite.
Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant,
Alors, je m'adresse d'abord à vous, les enfants. Est-ce que vous savez pourquoi on est là ce soir? Qui sait? Le Père Noël. C'est pas mal. C'est le Père Noël. Parce que l'enfant Jésus, il est né? Parce que l'enfant Jésus est né. C'est vrai, il y a le Père Noël, mais avant le Père Noël, il y a Jésus. Et c'est la fête la plus importante, parce que Jésus, il est né. Les cadeaux. Ah oui. C'est vrai. Jésus est né. On va recevoir des cadeaux, bien sûr. Mais Jésus, lui aussi, il va nous faire un grand cadeau. Il nous fait un grand cadeau. Alors, c'est d'abord Dieu le Père qui nous fait un grand cadeau. Le plus grand cadeau qu'il nous fait, c'est Jésus. Jésus qui est né. Mais c'est chacun de nous qui est invité à accueillir Jésus dans son cœur. C'est chacun de nous qui est invité à devenir un ami de Jésus. Est-ce que vous voulez devenir ami de Jésus? C'est vrai? Alors, si vous voulez devenir ami avec Jésus, c'est important de lui parler. Et vous savez comment, quand on parle à Jésus, vous savez comment ça s'appelle? On prie. On prie. Ça s'appelle la prière. C'est le meilleur moyen de parler à Jésus, parce que quand on a un ami, on a envie de lui parler. Donc, Jésus, il est né pour vous. Et vous savez, il est né comme un bébé. C'est un bébé. Il n'est pas né grand comme moi. Il est né. Il était bébé. Il était comme vous. Il a grandi un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, comme moi. Ou plutôt, moi comme lui. Bon. Alors, cette fête de Noël nous invite à devenir davantage amis de Jésus. Donc, c'est promis, vous allez devenir amis de Jésus? Et je sais que vous l'êtes déjà. Frères et sœurs, la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure éclaire de façon admirable le sens de notre présence ici ce soir. Il s'agit d'une lumière qui, soudain, éclaire ce peuple qui marchait dans les ténèbres. Mais d'où vient cette lumière qui vient changer la peur en joie inexprimable? Les bergers qui passaient leur nuit dehors pour garder leurs troupeaux ont eux aussi fait l'expérience de cette lumière. Cette lumière vient de la naissance d'un enfant. Un enfant qui est signe d'espérance, non seulement pour ses parents, mais aussi pour tout un peuple qui attendait avec impatience la venue du Messie promis par Dieu. La naissance d'un enfant, vous le savez plus que moi, suscite toujours de la joie et de l'émerveillement, car elle nous place devant le mystère, le grand mystère de la vie. Ce nouveau-né n'est autre que le Christ, le Sauveur, selon ce que l'ange avait annoncé au berger. Nous savons qu'à travers une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie qui commence. Mais c'est aussi une nouvelle manière de vivre qui commence. Les parents qui sont ici peuvent en témoigner. Il y a un vrai changement. Même si certaines nuits s'annoncent un peu courtes, puisque les parents veillent sur leur bébé, où ils se réveillent si souvent par leurs pleurs. Mais la joie d'accueillir et de donner la vie dépasse tout, car c'est un amour inexprimable, un amour incomparable. Marie, elle aussi, exprime cet amour dans la manière dont elle prend soin de Jésus juste après sa naissance. Nous l'avons entendu. Elle l'emmaillota et le coucha. Elle pose les gestes de toute jeune maman avisée, et ceci dans le silence. Peut-être elle était en train de contempler les merveilles de Dieu qui se manifestent pour elle, en elle et avec elle pour le salut de toute l'humanité.
Joseph, lui aussi, il est là. Il accompagne Marie, son épouse, et assume la responsabilité que Dieu lui a confiée, celle de donner une paternité humaine à Jésus. Noël que nous célébrons aujourd'hui, c'est Dieu qui s'approche de nous. À travers la naissance de cet enfant, qui est déjà une merveille, il y a encore une autre merveille indépassable. C'est le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait l'un de nous en devenant un enfant. La naissance de Jésus, c'est la manifestation de la grâce de Dieu pour tous les hommes, selon le mot de saint Paul dans la deuxième lecture. Dieu est devenu l'un de nous sans cesser d'être ce qu'il est. Dieu ne se transforme pas en homme, mais il vient à notre rencontre en assumant pleinement notre humanité. Jésus n'est donc pas moitié Dieu et moitié homme, mais comme nous allons le proclamer tout à l'heure dans le credo, il est vrai Dieu et vrai homme. Avec la naissance de Jésus, Dieu devient notre compagnon de route. Comment ne pas entendre Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui a tout compris quand elle disait « Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s'est fait si petit ». Oui, Dieu vient dans la fragilité d'un petit enfant, dans l'inconfort d'une étable. Ce n'était pas le projet de Joseph et de Marie de donner naissance à leur enfant dans une condition si difficile. Aucun parent ne souhaite donner naissance à son enfant dans une condition pareille. Mais l'humilité de Dieu va jusque-là. Il s'abaisse pour nous apprendre qu'il vient nous relever. Il vient vers nous pour nous faire entrer dans un échange de regards d'amour avec lui. Il a choisi de remettre sa vie entre les mains des hommes pour nous apprendre que nous sommes tous responsables les uns des autres. Chacun est le gardien de son frère. Chacun est le gardien de sa sœur. C'est ainsi que nous sommes invités à grandir ensemble dans la charité, selon le thème pastoral de notre paroisse pour cette année. Grandir dans la charité, c'est oser rejoindre l'autre dans sa souffrance, dans sa peur, dans son désespoir, pour l'aider à remonter la pente. Noël, c'est Dieu qui nous tend la main pour venir vers lui. Il vient vers nous d'abord, mais en même temps, il nous tend la main pour que nous puissions aller vers lui. Dans la crèche se trouve cet enfant, dans sa fragilité, qui illumine à la fois le ciel et la terre. Chaque année dans notre paroisse, nous avons une équipe de personnes qui s'investit beaucoup dans la réalisation de la crèche. Nous leur disons un grand merci. La crèche, comme nous rappelle le pape François, nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. En effet, par la naissance de Jésus, Dieu nous donne un frère qui vient nous chercher, quand nous sommes désorientés et que nous perdons notre direction. Un ami fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous pardonne et qui nous relève du péché. Que personne n'ait peur de se tourner vers Jésus. S'il nous rejoint dans les moments les plus difficiles, les plus incertains de notre vie, alors, pourquoi avons-nous peur de nous tourner vers lui? Si Dieu vient dans notre histoire à travers la naissance de Jésus, c'est pour nous rappeler que chacun a du prix à ses yeux. Toi, qui que tu es, qui que tu sois, il t'attend, alors n'hésite pas. Noël, c'est une fête qui nous invite à transmettre la lumière et l'espérance du Christ. Les bergers, en recevant la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, ont été enveloppés de la lumière du Seigneur. Cette fête de Noël
nous invite non seulement à nous laisser envelopper par la lumière du Seigneur, mais aussi à transmettre cette lumière autour de nous. La lumière du Christ nous apporte la paix, la joie, l'espérance, l'amour gratuit. Nous en avons tellement besoin dans notre vie de tous les jours. Que cette lumière commence à luire dans chaque famille, afin qu'elle se répande partout. Oui, Noël, c'est une fête familiale où beaucoup se retrouvent pour partager ce grand moment joyeux. Que chacune de nos familles devienne le lieu où se vit l'amour vrai, pour que chaque membre comprenne que l'autre est un don à accueillir. Ne laissons jamais les soucis du temps présent nous faire oublier notre véritable mission dans nos différentes familles. Frères et sœurs, qui que vous soyez, seuls ou en famille, malades ou en bonne santé, chrétiens convaincus ou chrétiens en recherche ou encore en chemin, oui, quelle que soit votre situation de vie, soyez prêts à accueillir ce soir la grâce de Noël. La liturgie de ce soir nous rend comme présents à l'événement que nous célébrons comme les bergers. Elle nous rend accessibles au don de Dieu. En cette nuit de Noël, Dieu se donne. Jésus, enfant, nous visite. Puissions-nous être présents à celui qui vient à notre rencontre. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, nous nous mettons debout et nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Thank you.
Tu es le prince de la paix. Ce soir, nous sommes en fête avec une grande partie du monde entier pour célébrer ta venue parmi nous. Que ce petit enfant dans la crèche inspire à la paix. Que ton esprit convertisse le cœur de ceux qui dirigent les pays en guerre pour qu'ils s'ouvrent à la discussion. Aide-les à parcourir le chemin du dialogue et à construire un monde en paix. Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières. Dans tes mains, Seigneur. Que ton souffle inspire les membres de ton Église, tous les messagers qui inlassablement font vivre ta parole, les communautés chrétiennes naissantes, les nouveaux baptisés, les missionnaires, afin qu'ils poursuivent leur tâche en ton nom. Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières. Dans tes mains, Seigneur. Enfants à naître, qu'ils trouvent une famille accueillante, unie, dans laquelle règne la paix et la joie. Nous te confions les enfants de migrants qui cherchent un lieu stable pour grandir, les enfants qui ont dû fuir leur pays en guerre et fêtent Noël loin de leur famille. Seigneur, qu'ils puissent recevoir de la douceur et du réconfort autour d'eux. Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières. Personnes seules en cette nuit de Noël, qui souffrent, tous ceux que la vie bouscule, qu'ils sachent se tourner vers toi qui ne déçoit jamais et aime sans condition et trouver le réconfort et l'espérance. Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières. Dans tes mains, Seigneur. Pour lesquels une messe a été célébrée cette semaine. Famille Vincent Pavy, Madame Colette Graal, Madame Germaine Aurin et famille Aurin-Gauthier, Monsieur Alain Jouot, Madame Pascale Isling-Nocola, Madame Suzanne Blanchard, Madame Marinette Baudrier, Jean et Maria Déblé et famille Déblé-Massé, Monsieur Victor Larcher, Madame Henriette Arche, Monsieur Louis Rochelle, Joseph et Madeleine Ravache, une intention particulière, et pour Madame Marie-Thérèse Tourneux, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. Dans tes mains, Seigneur, reçois nos prières. Dans tes mains, Seigneur.
notre Père, écoute les prières que nous t'adressons. Écoute celles aussi qui restent silencieuses au plus profond de notre cœur. Daigne les exaucer par celui que tu as envoyé naître pour nous, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, et il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Michel, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre, son auxiliaire Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Reçois-les en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Naissance de Jésus, Dieu nous donne un frère. C'est ce frère qui nous apprend à prier Dieu comme il faut. Ensemble, nous tournons vers lui. Que ton règne vienne.
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ton règne vienne. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Noël, c'est la fête de la joie, c'est la fête de la paix. Alors, dans la joie, partageons cette paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Thank you.
Acclamons le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir quelques instants. Quelques annonces. Demain 25 décembre, à 10h30, messe à Liffré et à la Bouexière. Il n'y aura pas de messe à 18h à Liffré. Du lundi 26 au vendredi 30 décembre, il n'y aura pas de messe sur Liffré. L'adoration prévue le mercredi de 15h à 18h est aussi annulée. Mais vous pouvez venir vous recueillir dans la chapelle d'adoration. Elle restera ouverte toute la semaine. Pour le week-end du 31 décembre et du 1er janvier, le samedi 31 décembre, messe à 18h à Liffré. Et le dimanche 1er janvier, messe à 10h30 à Liffré. Il n'y aura pas de messe à 18h le 1er janvier à Liffré. On vous demande de noter déjà deux dates dans vos agendas, des dates de concert, samedi 7 janvier à 20h30, ici dans l'église de Liffré, l'Écho de la Forêt donne son concert annuel avec le concours des jeunes du collège de Liffré. Et le dimanche 8 janvier à 16h, en l'église de la Bouexière, les amis de l'orgue de la Bouexière vous invitent à leur concert avec l'ensemble Adlib. Vous retrouverez toutes les informations, les dates, les CD célébrations de Noël sur les Nouvelles de Saint-Michel, le site internet ou la newsletter. Bonne soirée, joyeux Noël à tous. Ah oui, et si vous voulez, pour compléter votre table de Noël, il reste quelques bougies des scouts que les scouts vendent à la sortie de la messe. Donc n'hésitez pas à soutenir leur projet pendant ces fêtes de Noël. Alors, avant de recevoir la bénédiction du Seigneur, nous tenons à vous remercier tous pour votre présence si nombreuse à cette célébration eucharistique où nous venons de célébrer la naissance de Jésus. Alors, j'ai une proposition à vous faire. Ne rentrez pas chez vous sans apporter une parole de paix, d'espérance et de joie. Vous savez, en venant participer à l'Eucharistie, nous venons justement nous ressourcer pour repartir avec plus d'espérance, plus de joie, plus de paix. Alors, ne gardez pas cette paix, cette joie, cette espérance que pour vous. Il faut aller les porter à ceux que vous allez rencontrer dans quelques instants. Merci à vous tous. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, la liturgie, les enfants et les jeunes qui ont participé au conte de Noël tout à l'heure, juste avant la messe, à l'équipe musicien, animateur, chorale. En tout cas, nous avons eu une belle célébration grâce à vous. Merci, merci beaucoup. Merci bien sûr aux servants d'hôtel, aux enfants qui ont participé à la procession tout à l'heure, aux personnes qui ont réalisé cette belle crèche que vous pouvez continuer à venir contempler, visiter, vous recueillir devant l'enfant Jésus qui vient de naître. Alors, je prends le risque de citer quelques noms au risque d'oublier certains. Je suis sûr, je vais oublier quelques-uns. En tout cas, merci à vous tous, merci aux sacristains, à toutes les personnes qui ont préparé cette belle célébration pour nous permettre de bien prier ensemble. N'oubliez pas, repartez avec cette parole de joie, d'espérance et de paix auprès de ceux que vous allez rencontrer tout à l'heure et partagez-les avec ces personnes. Et nous recevons la bénédiction solennelle prévue pour ce jour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse,
Il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête de Noël à chacun de vous et à chacune de vos familles. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous.